Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de DigiGame. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Alors aujourd'hui, le 22 bien sûr, j'ai pas précisé. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle map. Ouais, en ce moment c'est beaucoup de découvertes de modes de map, mais il y en a des belles qui sortent. C'est vrai que celles qui sont un peu moins intéressantes, je vous les présente pas parce que... Une fois je vous ai présenté une carte là qui était dégueulasse, mais c'était vraiment pour voilà dire comment ça a pu passer sur le modem. Mais sinon voilà, je préfère vous présenter celles qui sont potables et vraiment belles. Alors là on a une petite carte, alors Frulling, je sais pas, Frulling, Frulling, Frulix, Frulling, voilà. C'est une toute petite carte, mais extrêmement bien soignée, extrêmement bien modélisée. Quand vous la téléchargez, automatiquement vous serez obligé de télécharger un pack. Alors ce pack, on va vous le montrer tout de suite. C'est celui-là. Voilà. C'est un pack de maison de ferme. Voilà. Vous serez obligé de télécharger ce pack avec. Voilà. Et ben nous on se retrouve tout de suite sur la map et on va visiter tout ça. Allez, c'est parti. Let's go. Et nous revoilà. Alors, un petit tour de PDA. Voilà. Voilà, c'est petit, il n'y a qu'un champ hein, de 1.1 à 1.B. Ça va très vite. Par contre, c'est beaucoup rempli. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points de vente, de négociants bétail. Voilà, on a là, des serres. Voilà, chaufferie, broyeur. Menuiserie, moulin à huile, lime seed fertilisant, ok. Usine de céréales, traitement du raisin, filature, moulin à grains, produits laitiers, usine de biogaz, marché fermier, supermarché, station essence, concessionnaire, garage pour réparer, boulangerie et atelier du tailleur. Voilà pour ce qui est du PDA. Maintenant, on rentre directement dans le cœur du sujet. Rien que ça, là, c'est... Voilà. Rien que ça. C'est magnifique, non? Rien que là qu'on regarde. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est de toute beauté. Voilà. Ah non. Avec la petite pancarte, la petite bonnette, là, un petit peu d'eau, petite déco là, c'est bien sympa. Regardez-moi ça, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est ça les bâtiments hein, qui font partie du truc où on est obligé de télécharger. Voilà, franchement, les bâtiments sont de toute beauté. Voilà, un point pour dormir, un point pour se changer, je sais plus. Non, on peut pas rentrer hein, par contre, ça c'est dommage. C'est dommage. Tout de manche. Alors là, ici. Qu'avons-nous là? Là, voilà, un espace pour ranger de l'équipement. Ah, ça, on peut déplacer? Non. Non. Ça, on les a en plus en déco, tout ça. Ouais, petite pique, fourche à palette. Lâche. On a un autre espace. Ok, là, on a le fanner. Petite faucheuse. Oui, vous voyez, tous les équipements sont déjà un peu sales et tout, un peu servis. Voilà, la ferme est déjà fonctionnelle, quoi. Là, on a un petit espace de stockage, mais un petit peu difficile à les stocker, là. Ouais, au télescope. C'est quoi, ça? Oh! Il y a un éclairage. Ah, c'est cool, ça. Activer éclairage d'abri, d'accord, et dans l'autre aussi. Ah d'accord. Ah si je désactive là, ça désactive là-haut. Hein? C'est cool ça. Il y a de l'éclairage, ok. Encore un autre bâtiment. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Le tissement de 3 mètres. Truc à engrais, les pendeurs. Truc à engrais. Il y a un truc qui s'ouvre, ça s'appelle une porte. Là on a le silo multifruits. Voilà. Petit silo multifruits.
Là, ici, on a une petite benne hein, pour transporter les balles et ça s'ouvre aussi sur le côté. Là, ici, on a le petit stayer. Là, ça, on avait vu. Hein. Oui, c'est là. Ok, là, on a l'enclos des vaches. Très beau, très sympathique. On peut mettre 45 vaches, donc ça va. Voilà, petit enclos des vaches. On a déjà des animaux hein, de base, hein, voilà. C'est pas moi qui les ai achetés là, ce sont des bases. Ouais, d'habitude quand je vous visite, j'aime bien vous mettre les animaux dedans et tout, mais là ils sont déjà de base. Voilà. Enfin, pour la nourriture, là du coup ça se passe ici. Voilà. On va récupérer le lait, ça doit être ça ici là. Ouais. Oui, ça doit être ça. Alors, on va partir de là. On va voir le reste. Et là le lisier. Ici le lisier. Et regardez ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on a toujours. Ah, attendez, là-haut il y a quoi là? Là il y a, voilà, on a un cheval. Voilà, on a un cheval ici. C'est un enclos de combien ça? 2-8. Ok. Et voilà, il y a des petits détails partout et ça c'est franchement appréciable. C'est pas une map où vous allez pouvoir faire une énorme carrière, on va dire, de fou furieux, mais voilà, une petite carrière là-dessus, franchement. C'est agréable. Là voilà, on a la fumière. Pour stocker le fumier là. Petite cuve. Là ici, alors ça c'est un silo. Dedans vous pouvez mettre paille, foin, herbe hachée et herbe. Et ça se transforme en ensilage. Voilà. Ça ne s'ouvre pas comme ça, ça. Là peut-être. Ah si, c'est bon. On a la moisse batte. Mais est-ce que quand j'ouvre ici l'éclairage? Non. Non. J'allais me dire ouais que tout est connecté. On a un petit top liner. J'ai d'autres. C'est bien sympa hein. J'aime bien ces petites là pour commencer, ou je commence avec la New Holland des fois aussi. Ouais, c'est un mode hein, la New Holland. Ouais. Petite benne, ah deux, on a deux. On a deux remorques. Là ici on a quoi? Petit massé. Ouais c'est ça, un massé. Hein. Avec la charrue. Ah plutôt le cultivateur ça non? Ouais. Là c'est pailleux ça, hein. C'est ça hein. Je dis pas de conneries. Je dis peut-être une connerie. Si, c'est ça. Je crois. Je suis pas sûr. Là, on a encore une cuve, ok. Voilà, encore des détails. Tout ça, ça c'est cool. Là, on a des poules. Ah, 200 poules quand même. Oh. Faut faire gaffe parce que les enclos là, voilà, je vous ai montré un autre enclos. Je pense que c'est des enclos qui font partie des enclos d'origine. Il faut faire gaffe parce qu'il y a 200 poules. Mais au niveau de la nourriture, ça se trouve, vous pourrez mettre comme d'hab quand c'est pour que 30 poules. Et du coup, vous allez devoir remplir la bouffe toutes les deux secondes. Je vais vous montrer pourquoi après, c'est le poteau Bozo hein, qui m'a montré ça. Regardez-moi ça, on a un petit banc, on a vraiment tous les petits détails. Hein. Alors, on a aussi des champs qui nous appartiennent déjà hein, dès le début. Voilà. On a cette grosse zone, on avait le champ qu'on avait vu devant. On a un champ en bas. On a voilà un petit champ là. On a de quoi commencer quoi. Et derrière en fait c'est une grande étendue d'armes. D'herbes. Voilà. Ça vous pouvez les enlever, hein, les barrières là. On peut les enlever. Hein. Y a pas de soucis. Ouais, j'ai un ami, bah, tout ça c'est clôturé, hein, voilà. Là aussi vous pouvez les enlever. Mon poteau, je sais que lui là, il a enlevé ça, il est en train de raser tout ça pour faire une grosse plaine. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre le stayer. J'aime bien le stayer. On n'a pas vu là encore. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah là, c'est l'autre côté du silo. Et là, ah bah là on a l'Andener. On a l'Andener là. Voilà. C'est bien ça, ces petits trucs là, multifonctions. Hein. Non, franchement, le pack bâtiment là déjà, même si je joue pas sur cette map, je vais me le prendre.
Je vais me le garder, hein, parce que je me le suis déjà pris. Oh, le stage, il est où le stage? Il est là, le stage. C'est parti. Parti pour la balade. Prends le petit chemin, parce que la ferme continue. Un peu plus loin. Bon, je vous fais style, je connais bien la map, hein. C'est juste que mon poteau me l'a fait visiter hier. C'est ici. Des piches, hein, bien sûr, vous avez les voitures hein, qui sont fonctionnelles, hein, les IA, tout ça. Voilà. Voilà notre petit enclos à moutons. Alors là, on a une cuve. Ça s'ouvre cette mini porte? Non. Et celle-ci? Non. Non. C'est pareil, voilà. Du coup, l'enclos là, je pense que c'est un enclos de base. Et le problème, c'est que, bah, vu que c'est comme un enclos de base, il a augmenté, hein, il a augmenté le nombre d'animaux. En fait, il a juste augmenté le nombre d'animaux. En fait, il a mis 100, mais il a pas augmenté la quantité d'eau. Et la quantité de nourriture. C'est-à-dire que mon pote en fait il a supprimé l'enclos parce que bah c'est infernal. Si tu mets 100 moutons là-dedans, bah tu vas toutes les heures donner à manger quoi. Voilà. Et c'est le seul petit défaut. Alors ça sera peut-être réglé dans une mise à jour. Hein. Peut-être. Peut-être que ça va être réglé dans une mise à jour. Ici. Encore voilà, tous des petits décos, c'est des détails, mais voilà, c'est vraiment bien. On a une serre basique. Hein. Voilà. Puis maintenant, on va faire un petit tour de la map, hein. Voilà, histoire que vous voyez un peu. Et vous voyez comme elle est petite aussi, hein, quand on fait le tour rapidement. On va peut-être se mettre, ouais, ça, là. Ouais, là, vous voyez, en fait, on a... C'est ça qui est bien, regardez-moi ça, ces petits chemins, là. Un petit chemin qui va ramener à un nouveau champ. Et voilà, je fais de la merde. Voilà, encore un champ hein, qui nous appartient. Voilà. C'est cool là-haut, pas bord de route là. Ouais, c'est du petit champ. Hein. Pour ça, moi je pense que si jamais il n'y a pas une autre map qui sort d'ici là, encore mieux que celle-là. Je pense que par la suite, j'aimerais bien faire une petite série, hein, pas un gros truc, hein, une petite série sur... Avec vraiment des véhicules plus anciens, vraiment du petit matériel ancien et tout. Ouais, genre comme le Porsche, le Zetor, les choses comme ça. Vraiment à l'ancienne. Et du coup, avoir plein de petits champs comme ça, une petite map, ça peut être cool. Voilà, là on a tout ce qui est usine, tout ça. Hein. Vous connaissez ça, hein. Voilà. Ouais, la carte est vraiment petite. Là, on arrive à l'autre bout de la carte. Hein. Pour information. Comme ça, vous le saviez. On est arrivé à l'autre bout de la carte. Hein. Parce que d'ici on arrive à voir la ferme. Non, peut-être pas. Ah, presque. Presque. Non, franchement, elle est cool cette map. Elle est cool. Et en route, j'aurais peut-être pu mettre une petite bande. Mais sinon, je chipote. Ah, bah non, mais je crois que sur les autres routes, attends. C'est parce que c'est une petite route. Hein. Je dis n'importe. Attendez, ah non, il y a les bandes hein, sur la route. Ça, c'est parce que c'est une petite route. C'est une bébé route. Voilà, là on a une grosse zone commerciale. Hein. Voilà, avec des points de vente, usine. On m'a crasé lui. Ouais. Alors attendez voir. Faudrait qu'on y aille là. Ah ouais d'accord, on a un pont. Ah c'est cool ça. Ah ça c'est cool. On va voir qu'on le tourne par là, si c'est possible. Ouais, ça avance. Oui, ça avance bien même.
D'accord, là on a un petit pont, ouais, c'est cool. Ah, elle est vraiment jolie cette map, y a pas à dire. Là on a le petit PGA là. Allons voir là-haut le petit village. Là, puis on a une petite maison en bord de route. Vous avez vu, franchement, voilà, c'est très court. Hein. C'est très très court. Et là, ici, on a un petit village. Voilà, avec des points de vente, tout ça. Le concessionnaire aussi. On est en zone 30. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore cette petite map. Sans prétention, elle est, mais. Non, franchement, elle est classe. Alors, on a un petit chemin normalement pour rentrer. Ouh, j'ai mon ventre qui fait des gargouilles. J'ai mangé. J'ai mangé. C'est l'heure de la bouffe. Ah bah ben non, il est pas là le petit chemin. Ben, je peux pas y accéder comme ça, quoi. Peut-être par là. Ouais, mon ventre là. Ah là, on y a accès là. Voilà. Le seul truc, c'est que pour l'instant, en fait, les portions, en fait, vous pouvez acheter les champs. Mais il y a un petit problème hein, que le poteau m'a montré. Et j'ai oublié de désactiver la sauvegarde automatique. C'est qu'en fait, vous pouvez acheter les champs. Tac, 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 tac. Mais vous achetez pas les bordures de route. Du coup, vous pouvez pas enlever les arbres bordure de route. Ça, c'est dommage. Du coup, s'il y a des arbres que vous voulez virer, vous pourrez pas, quoi, qui sont en bordure de route. Après, là, il y a beaucoup de champs ici qui sont clôturés. Ça aussi, ça peut être embêtant. Ah, ça peut être embêtant, ouais. Ça peut être très très chiant, hein. Ça peut être chiant. C'est pour ça que ouais, la plupart, moi je pense que si ça je le fais, je les enlèverai. Ou c'est possible de les enlever, hein, bien sûr. Et ben voilà. Franchement, c'était cool cette mini-map, non? Vous en pensez quoi, vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis bah du coup, bah, moi je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit commentaire. Allez, à la prochaine tout le monde. Petit Bye. détail, avant de qu'on se laisse. Petit détail, j'aime bien les détails et j'ai oublié de vous le dire. Ce que beaucoup ne font pas, et même sur les cartes officielles ne font pas, chez le négociant en bétail, voilà, vous avez des animaux. Voilà. C'est un détail, ok, oui, mais au moins là, chez le négociant en bétail, on a des animaux qui sont dans un enclos. Contrairement aux autres négociants en bétail où il n'y a rien. On voit jamais de bétail. Voilà. C'était tout. Bye tout le monde. Salut.